Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors la vidéo que je vous... J'ai fait le contenant pour une nouvelle vidéo. Alors la recette que je vous propose, c'est comment faire une petite sauce de tripes. Bon, ça va, plus on y va. Pour débuter notre recette là, nous allons commencer par faire une petite marinade. Pour ce faire, j'ai pris l'ail, piment, sel, clou de girofle, poivre africain que je vais laisser griller légèrement. Ici de côté, nous avons échalote, oignon, feuilles d'oignon, poireau, ail et gingembre. Voilà. Après avoir grillé les premiers là, on va rajouter sur ceux-ci et on va les mixer. C'est un peu à quoi la mixture va ressembler et ce n'est pas fini. De côté, nous avons moi sec, crevette sec et adjuvant. Adjuvant, c'est le poisson salé fermenté. Moi sec, là, c'est arrêt. On va tout mixer. Il faut bien mixer afin d'obtenir une texture très, 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 très lisse. Et si vous voulez conserver plus longtemps, vous pouvez rajouter de l'huile. Moi, je n'ai pas du tout assaisonné. Voilà. Donc, passons à notre sauce. Ici, dans mon tablier, comme d'habitude, j'ai pris des tripes que j'ai bien nettoyées. Tripes, là, voilà, c'est trop cher. Ça, c'est la tomate. Bon, la boîte était vide, quoi. Comme j'avais plus de concentré de tomate, donc j'ai rajouté de l'eau. Il y a du ça. Et puis, j'ai rajouté. Ici, nous avons oignon, poivre blanc. Poivre blanc, ça donne un goût vraiment très, 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 très bon à vos sauces traditionnelles. Ici, je rajoute un peu de bouillon d'assaisonnement bio qui va remplacer vos cubes d'assaisonnement industriel. Ici, nous avons également la marinade du début là. On va rajouter. Je vais rajouter du sel. On va mélanger puis laisser tout ça là bien revenir. Ici, je pense que quand ça bien bouillit, on va mélanger. Je rajoute encore de l'huile, de l'eau, vu que les tripes sont un peu encore plus dures. On va couvrir et laisser tout ça encore bien cuit. Ici, je pense que mes tripes sont déjà presque cuites. Je vais rajouter oignon, tomate et piment. On va couvrir et laisser tout ça là cuit une fois de plus encore. Je pense que mes légumes là sont cuits. Je vais les retirer. Je vais retirer oignons, tomates et piments. Au caméra, j'ai rajouté aubergine et gombo. Bon, pas au caméra, mais ça n'a pas filmé. Après avoir mixé mes légumes là, j'ai rajouté. Je vais rectifier mon assaisonnement avec mon bouillon d'assaisonnement bio qui est disponible sur ma chaîne YouTube Yao Raïssa. Facebook, assaisonnement Yaya. TikTok, Yao Raïssa. Et puis Instagram, Yao Raïssa. Ok, voici le résultat de mon plat. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Tu peux activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes recettes lorsque je mets en ligne de nouvelles vidéos. On se dit.